Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion, eh bien, ces messages vont s'adresser à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce tirage de fin d'année. Alors qu'il ne va pas vous donner la tendance pour tout 2022, je ne vois pas aussi loin, mais qui va vous parler de cette transition, cette période, cette quinzaine qui s'amorce entre 2021-2022. Ce temps charnière, cette fin de cycle, ces moments de révolution dans notre vie. Et vous, les scorpions, ça vous parle la révolution, ça vous parle la transformation. Alors, on va regarder ensemble eh bien, ce qui s'invite ici comme message. Donc, sur le premier tas, donc je rappelle que si vous êtes intéressé pour connaître les cartes que j'utilise, vous regardez la vidéo d'introduction, tout est indiqué. Alors, premier passage ici. Vous voyez, je brasse avec vous et on va faire un choix. Voilà. Première carte pour vous, les scorpions. Deuxième carte qui sera un complément d'information, une clarification, un zoom, une particularité qui vous aidera à mieux comprendre le champ dans lequel s'invite le message qui se présente à vous. Et voici. Et enfin, la carte conseil. La carte éclairante, la carte rassurante, la petite ressource qui vous aidera à aller un pas plus loin. La voici. On va commencer. Tempérance. Bien, mes chers scorpions, vous avez compris une chose durant toute cette année, c'est qu'il était important de mettre de l'eau dans votre vin, comme on dirait, de trouver cet équilibre en vous, cet équilibre émotionnel entre tout ce que vous avez à partager, à dire, à faire, tout ce que vous constatez, analysez, décortiquez, tout ce que vous voyez comme dysfonctionnant, comme manquant, comme difficile, compliqué, et la manière dont vous le communiquez, la manière dont vous le mettez en œuvre pour que ça s'améliore en fin de compte. Il y a peut-être parfois des petites dissonances entre la bonne intention que vous avez et la façon dont vous essayez de le mettre en œuvre. Moi, c'est ce que je capte ici dans cette carte qui vous invite à cette tempérance. Et je pense que vous l'avez compris, hein. C'est quelque chose que vous avez expérimenté, traversé. Je pense que différents événements de cette année vous ont donné à voir qu'il s'agissait maintenant de calmer le jeu. Ça ne vous empêche pas de faire, ça ne vous empêche pas d'exprimer les choses, mais de le faire de manière à que ce soit mieux accueilli, mieux compris par les autres. Peut-être aussi plus doux pour vous, hein, parce que, ma foi, vous avez besoin aussi de douceur, hein. Cette deuxième carte va vous aider un petit peu à clarifier ce dont il s'agit, le valet d'épée. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de communiquer. Hein. C'est les épées, c'est la communication, c'est les messages, c'est la vérité, c'est la justesse, c'est la logique, c'est tout ce qui va être attrait au mental. Vous voyez que il est entouré de petits oiseaux, ça lui parle beaucoup, il a beaucoup de choses à exprimer. Ce valet, c'est un messager. C'est comme si vous aviez cette sensation d'être aussi le porteur d'informations. Vous avez envie qu'on vous comprenne. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie d'apporter des savoirs. Vous avez des choses à transmettre, des choses à exprimer dans ce monde, hein, que ce soit des idées, des concepts, des compréhensions, des apprentissages. C'est ce désir pour vous de le transmettre, de l'apporter, de manifester clairement. Et donc, dans cette transition 2021-2022, ce qui se propose ici pour vous, c'est d'avoir une posture un petit peu de candide, d'essayer de vous positionner effectivement comme un transmetteur, un catalyseur, un innovateur, mais en même temps d'écouter ce qui vous est dit, d'écouter, d'y aller comme un novice, comme un apprenant aussi, hein, de ne pas vous positionner en maître, mais en apprenant. C'est un petit peu ce qui s'invite ici, et puis la carte conseil. La carte conseil, oh que c'est joli, eh bien, écoutez, je les ai brassés devant vous, on ne pourra pas dire. la bonne nouvelle, mes chers scorpions, c'est que regardez cette carte qui vous montre ici le messager, hein, le porteur de bonne ou mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est vous êtes vraiment le transmetteur, celui qui va
apportez quelque chose autour de vous, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis. Vous nourrissez le monde qui vous entoure, vous adorez faire ça. Et en fait, vous êtes aussi cette colombe de la paix parce que votre intention est bonne. Votre intention est juste. Vous ne souhaitez qu'une chose, c'est apporter l'éclairage là où il y a l'obscurité. Apporter la compréhension là où il y a le doute. Apporter la confiance là où il y a le frein. Et il s'agit de, voyez, de sortir de votre enveloppe habituelle, de vos habitudes, de votre manière de faire habituelle, pour peut-être vous envoler sur quelque chose de plus libre, de plus doux aussi. Hein, la colombe, c'est la paix. Et donc, peut-être vous seriez plus impactant et vous trouveriez peut-être un espace beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger pour pouvoir être celui que vous avez envie d'être, celle que vous avez envie d'être, de contribuer comme vous avez envie de le faire, voyez. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bien sûr que vous savez voir les qualités des autres et bien sûr que vous savez voir le bénéfice des choses qui existent, mais peut-être simplement, il faut aussi le partager, le dire que vous vous réjouissez. Et peut-être que si, par exemple, dans une situation familiale, vous voyez qu'il serait bon de dénouer certaines choses, ou dans le travail, d'améliorer des façons de faire, des processus, ou avec des amis, de clarifier des choses parce que les rapports sont peut-être déséquilibrés. Il s'agit aussi de reconnaître le bénéfice de ce qui est, même si pour vous, ça nécessiterait d'être amélioré. Eh bien, accueillez toutes ces parts-là. En n'omettant pas de dire que tout est juste au fond et que c'est simplement un désir de finalement de contribuer, on va le dire comme ça tout simplement. J'espère que ça vous éclaire, que cette transition sera pour vous douce et qu'elle vous amènera sur cet état d'être qui vous convient bien mieux sur 2022. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je répondrai volontiers. Si ça a fait écho chez vous, ben, vous mettez un petit like. Ça me fera plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, puisqu'il y en aura d'autres. Et on continuera d'explorer un petit peu tout ce champ de l'inconscient ensemble. Je vous souhaite de très jolies fêtes. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.